rapproche-toi un peu de ta selle, Rachel. Arrêtez les épaules. Voilà, ça, ça me va bien. C'est mieux. C'est encore un... Par contre, sur le saut ici, une fois que le saut est déclenché, tu restes un petit peu comme ça. Mais par contre, tu gères très bien l'équilibre. À embrayer dans la courbe. On regarde, on cherche l'axe. Et on redresse. Il y a eu un choix effectivement de rajouter du poulet. Comme tu pas rentré. Exactement, le choix n'est pas mauvais. Par contre, du coup, la décision était un peu tardive. La poussière est un peu courte et le cheval un peu prêt au vertical. On va tout le faire. Donc... Un peu loin, tout petit peu loin de ton vertical en jetant, alors ça fait que tu prenais, alors que normalement la jambe était correcte, c'était très loin de ton vertical, mais en ayant du soutien avec un poney qui était bien armé, j'aurais dû faire le saut. Sauf que comme tu t'es chié aux oreilles, et ben, ça, ça fait la pince. Okay, ça c'est important. Attendez vos sauts, sauf toi Rachel, toi au contraire, tu dois aller. Attendez vos sauts pour laisser vos chevaux, leur laisser le temps de monter les épaules. Ouais, c'est pas mal. C'est mieux à l'entrée. Alors là, voilà, on a l'exemple du cavalier qui monte bien, propre, mais qui fait rien. Derrière, tu restes comme ça, tu sautes le premier, tac, tac, deuxième, et. Alors que. Simplement de reculer 10 cm les épaules et la faute elle est...